putain. Et ça fait 3 minutes, Jimmy Punchline, 7ème magnitude. C'est ça nos vies, c'est ça qu'on est. On avance sans savoir où la vie nous met. Scrète m'ordonné d'enfoncer clou comme Ponce Pilate. Victoire de la musique, album de musique urbaine remporté par Aurelia. C'est lui qui a réalisé mon premier et mon deuxième album. Il a fait la plupart des sons que vous avez entendus ce soir. Faites du bruit pour Scrète. En fait, Scrète, dès le début, il était fort. Toutes ses instrus, elles ont toujours été bien. Je disais, mais lui, c'est un ouf. Tout le temps, matin jusqu'au soir. Tac, sur la MPC, son. Quand Scrète pose ses premiers sons, place ses premiers sons sur des grands messieurs du rap français comme ça, tu dis que c'est pas un hasard. Ah ouais, c'est lui qui a fait ça, ou je dis ah ouais, quand même, il est fort. C'est-à-dire qu'il arrive à s'inspirer sans être influencé par ce qui se fait aux États-Unis. Ça, c'est vraiment fort. Mm-hmm. Faut savoir que Scrète, c'est le cerveau, quoi. Premièrement, en termes de business, Scrède a vraiment amené du contact, une vision. Il y a beaucoup de beatmakers et tout, mais ils n'ont pas cette dimension producteur, réalisateur, directeur artistique que Scrède est là. Donc voilà, lui il est calme, il est patient, il est pointilleux, c'est cool. Il lâche pas l'affaire, tant que ça sonne pas bien, tant que c'est pas bon, nous on lui disait hey, c'est bon, ça sonne à peu près bien. Tu entends la caisse claire là ou pas? Elle arrive qu'à la 8ème mesure. Déjà, il sortait mesure, on disait, mec, pensez qu'il était drôle. On est presque un duo, quoi. Le premier album, il a fait toutes les prods. Le premier album, on l'a fait dans mon garage. Ce qui m'avait plu, en plus, c'est la cohérence entre les sons et les textes. Je trouvais qu'il y avait un vrai esprit qui se dégageait des deux et qu'on voyait qu'il y avait un vrai binôme, quoi. C'est du rap ultra crédible, ultra fort, ultra à la pointe. Ça kick de ouf. C'est des gros instrus. De toute façon, Scrède, il peut tout faire parce que il est autodidacte, il apprend tout seul. Je pense que Scrède, il peut faire des instrus pour à peu près n'importe qui ou n'importe quoi. Et que ça se limite pas. Il y a des sons électro, il y a des choses plus acoustiques. C'est un mec qui est précurseur. C'est quand même lui qui a lancé Orelsan. C'est lui qui a redonné une espèce de virginité rapologique à Nesbill, qui a contribué au succès de Hit, ceux de Booba ou ceux de Diams. Le mec a lancé des tendances. Scrède était dans l'ombre et je pense que c'est à son tour aujourd'hui d'entrer dans cette lumière.